Salut à toi, viticulteur, entrepreneur sur le web qui démarre ton activité de vente sur Internet ou qui t'intéresse à la vente de vin sur Internet. Cette petite vidéo, juste pour te dire que c'est maintenant qu'il faut que tu sois actif sur Internet et je vais t'expliquer pourquoi. Dans l'inconscient collectif du consommateur classique, la période des vendanges, c'est la période où on fait du vin. Hein, très souvent, je discute avec des gens qui ne sont pas forcément des connaisseurs dans la filière vin, à qui on n'a pas forcément beaucoup de temps pour expliquer tout ce qu'est l'activité d'un vigneron, et pour qui ces gens-là, ben, la période des vendanges, c'est la période où on fait du vin. Et quand on n'a pas forcément beaucoup de temps pour expliquer que ben, faire du vin, ça se prépare toute l'année, eh bien, il faut se mettre un peu au diapason de l'inconscient collectif et se dire, bon, ben, ok, pour le consommateur lambda, faire du vin, c'est la période des vendanges, donc je vais matraquer mon prospect ou mon client sur mes réseaux sociaux avec mes publications directement liées avec mon action de vendanger. Je vois beaucoup de gens actuellement qui postent sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, sur Snap, enfin bon bref, un peu sur tous les réseaux leur période de vendange. Et ce que je, par contre, je ne vois pas, et c'est malheureux, je ne vois pas d'appel à l'action, c'est-à-dire, ou de tunnel de vente, c'est-à-dire, eh bien, je fais ma récolte, tu vois, je suis en train de vendanger ma future cuvée 2018. Eh bien, si ça t'intéresse, la manière dont je travaille, comment je gère mes équipes de vendangeurs, ou comment je gère ma vendange avec ma vendangeuse, ou bref, comment je gère au chez la réception, le tri, etc. Si tout ça, ça t'intéresse, si tout ça, ça te plaît, eh bien, va visiter mon site internet, va visiter ma boutique, va voir mes produits. Je te fais une offre spéciale en ce moment parce que c'est la période des vendanges et donc je sais pas moi, tout doit disparaître dans le chai. Allez, je fais une offre spéciale. Bref, trouver des arguments pour faire que cette période si charnière dans votre activité soit un levier de vente pour votre activité sur Internet. Les gens raffolent de vos stories Instagram, de vos photos de vendanges, de ces belles grappes que vous prenez en photo. Ils raffolent de ça. Utilisez-les pour envoyer les gens vers un tunnel de vente qui va les amener directement sur votre site de vente si vous avez une boutique ou alors sur votre page Facebook pour les mettre en amis et ensuite pouvoir leur faire des offres ou alors une page de capture hein, que vous pouvez créer avec un automatiseur de mail leur disant bah, ça vous a plu, je prends votre mail, je vous envoie ma newsletter pour vous dire ce qui va se passer dans la suite et puis ensuite comme ça vous pourrez leur faire des offres. Utilisez cette période extrêmement photogénique, télégénique, construisez votre image de marque par rapport à cette période des vendanges et vendez derrière, vendez, vendez grâce aux vendanges. Allez, c'est parti, action!